Le thème de cette session de la création est le gibelet de la terre. Nous entendons par là la solidarité. La restauration. La libération et la liberté. Et consolation. Pour solidarité, tant de chacun sont nécessaires pour réparer les dommages causés par l'abus humain de la création de Dieu. Talent et l'implication de chacun sont nécessaires pour réparer les dommages causés par l'abus humain de la création de Dieu. Toute violation de la solidarité et de l'amitié civique nuit à l'environnement. Le principe du bien commun devient immédiatement, logiquement et inévitablement un appel à la solidarité et à une option préférentielle pour les plus pauvres de nos frères et sœurs. Restaurons pour rendre à la terre sa dignité telle qu'elle a été créée par un Dieu d'amour. Cessez d'abuser de la terre et des mers. Comprendre qu'en perdant chaque espèce, nous perdons aussi une parole de Dieu. Ressentir la douleur de ceux qui souffrent de catastrophes naturelles et de ceux qui souffrent aux mains de ceux qui ne s'en soucient tout simplement pas. Répondons à notre appel pour protéger et nourrir la création de Dieu. Libère-nous des modes de vie et de pensée qui détruisent notre maison commune. Donne-nous à la place de nouvelles façons de vivre et de penser. Libère-nous de tout ce qui nous piège dans le désir de superflu et de ce qui est nuisible à notre terre. Libère la terre et l'eau de tout ce qui les pollue et les détruit. Libère nos esprits de la pensée que nous sommes responsables et ouvre-nous à la liberté de l'esprit. Reposons-nous dans la connaissance que tout est don de Dieu et que tout vient de lui. Donne-nous une nouvelle conscience qui nous permette de nous émerveiller de la beauté globale de la création. Nous pouvons faire la paix avec notre Dieu, avec nous-mêmes et avec toute la création pendant cette saison de la création.